Charlotte et Elsa, la direction de site. On est plus que ravis de vous accueillir ici à Montpellier. La semaine va être dense. On a 15 matchs sur 7 jours. C'est très condensé avec des belles équipes. Donc on espère avant tout du beau spectacle. Et puis voilà, on vous souhaite simplement de bien vous envoler. Merci de nous accueillir à Montpellier. Merci de travailler avec nous sur ce bel événement. Et puis, grâce à vous, on va pouvoir aider les Bleus à aller le plus loin possible. On espère jusqu'à Paris. Voilà. On est venu d'un peu partout, tous volontaires pour très fort frapper un grand coup. On est remonté comme des pendules. Notre devise, c'est jamais on ne recule. On a choisi d'être à Montpellier et que tous ensemble, on a envie de faire briller. En vérifiant quand même si si on a bien Montpellier et les zones définies. Ok, ça marche. Voilà. Et ensuite, une fois que tu imprimes, tu peux le passer en délivré. D'accord, voilà. Ok. Donc avec ça, on délivre une accréditation et après, et pourra la personne circuler, pourra circuler sur l'ensemble des zones qui lui selon sont... Ok, ça marche. Voilà. Impeccable. Je suis Lucie Charitable, je suis à l'animation pour le centre des volontaires et je viens récupérer mon accréd. Très bien, je vais prendre une pièce d'identité. Que la partie gauche, on est le 11. Bah, je suis de côté. Alors demain, pour le premier match, match numéro 1, 14h15 de match, ouais. Oui. On aurait besoin des deux navettes à midi, là où ils se gardent d'habitude, là, à l'AIC. On aura les deux motards. Et on n'aura plus besoin d'escorte pour les deux autres matchs, parce que tous les arbitres viennent au premier match. Et oui, c'est logique. Il te faudra un minibus, parce que tout le monde ne va pas partir en même temps. Là, demain, on part tous en même temps. D'accord. On sera 7 plus 2, 9. C'est très bien. Voilà. Merci. Nous avons composé un peu plus de 200 sacs, en les triant, en les identifiant. Ils sont tous ici entreposés. Les volontaires, au fur et à mesure, viennent chercher leur équipement parce qu'à partir du 12, lorsqu'ils seront en action, en activité, ils ont une obligation, c'est d'être en tenue des championnats d'Europe de volleyball. Alors, ne me demande pas plus petit, il n'y a pas. Hein. Ah non, mais c'est très bien. Elle est canon. Ouais. Je suis trop fan. C'est bon. C'est la dernière. Et parfait. Que personne ne vienne. Si c'est pour le lendemain ou le surlendemain, j'ai pas de souci, c'est enregistré dans le logiciel. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, donc, de toute manière, voilà, j'ai averti tout le monde, okay. Et tout le monde se charge de gérer, et tout le monde m'a dit, non, quand on voit qu'il y a quelqu'un qui doit pas venir, qui doit pas rester ou quoi, c'est eux qui s'en chargent. Bonjour. Oui, bonjour, hein. Et je suis au service aux spectateurs, je suis venue chercher mon accréditation. D'accord, il me faudrait une pièce d'identité, s'il Attendez, vous plaît. Je vous la donne. Merci. C'est une carte de
tramway. Vous n'avez pas une pièce d'identité, s'il vous plaît. Ah, moi, j'ai rien d'autre, madame. D'accord. Je n'ai pas pris un prix d'autre. D'accord. Jérôme, j'ai écrit une carte de tramway. Non, c'est pas possible. Il nous faut une pièce d'identité, s'il vous plaît. Une pièce d'identité, j'ai une pièce, si vous voulez, d'un euro. Hein. Oui, s'il y a votre photo dessus, on va prendre. Ma pièce d'un euro. Ça va aller. Ça va aller. Prends 6 sous. On va y arriver. Ah là là, on est parti de loin. Putain. Jean-François s'occupe de tout ce qui est affectation aux portes. Philippe s'occupe de tout ce qui est communication. Donc il envoie les plannings, les communications à tous les assistants et les chefs d'équipe. Et moi, je m'occupe des plannings, c'est-à-dire donc des personnes qui seront présentes à chaque journée. 14h15, 23h45. Ouais, c'est bon, bon. Ok. Mardi. Mardi. 11h, 17h30. Okay. Dans notre département, nous sommes 50. Philippe, c'est 50. 52. 52, exactement. Vite. Je dois imprimer en urgence des lettres de A à N pour le centre des opérations. Là, je vais mettre la zone fumeur pour les fumeurs. J'ai pas le temps. Vite! Un candidat qui avait demandé un L. Donc je lui ai donné un L, comme on l'a fait, tu sais, quand on avait fait les sacs. Et puis il a eu son sac, et puis le lendemain, il est venu nous dire « Est-ce qu'on peut échanger parce que le L, il est trop grand et je pourrais pas avoir du M ?» Bon, il y avait Pierre qui était de service. Pierre, viens raconter la suite de l'histoire. Tout simplement, j'ai demandé à cet homme charmant par ailleurs de bien vérifier qu'il n'avait rien laissé dans les poches. Moi, pas de problème. Je lui ai donné son truc, sauf qu'il y avait un problème, il y avait les clés de sa moto. Et donc, c'est reparti à quelqu'un que je ne connais pas, évidemment, parce que je note pas. Donc, les clés de moto sont quelque part... Dans un blouson. Que personne n'a encore ramené. Mais heureusement qu'on a un inspecteur Laguna, donc qui était dans la police, chacun le sait, et qui donc mène une enquête serrée. On a dit, du coup, on fait rentrer les mascottes. En gros, ils montent le check. Et en gros, on dit, ah, vous auriez pu vous appliquer. Franchement, on va vous montrer ce que c'est un vrai check. L'équipe de France jusqu'au bout. Ici voler, c'est notre passion. Et on y va sans se poser de questions. On a choisi de la vivre ici, avec l'envie de la partager entre amis. Cette belle aventure, on en est sûr, fera de nous à jamais des passionnés de voler. Staff Italie, c'est qui? Staff Italie, c'est toi. Comme Plaza. D'accord. J'ai une équipe de chauffeurs qui sont prêts à partir en permanence. Donc, dès qu'ils sont assis et que je leur donne une mission, ils partent. Parce qu'en fait, au deuxième match, comme il y a plus de guichets ouverts, je peux plus vous positionner sur des guichets et puis vous renseignez les gens, vous les mettez en bonne ambiance. On les chauffe. Sourire, voilà, vous les chauffez, sourire et tout bazar. Rémi restera avec moi dehors, comme ça on est deux à faire la navette entre les palmiers, à diriger les personnes qu'on trouvera. Okay. Thank you.
Allez, restez dehors. Oui, merci. Dites. Ils ont 15 bananes et j'ai compté, il y a bien 14 serviettes. Parfait. De toute façon, aujourd'hui, ils vont mettre des numéros dessus. Parce que ça serait top ici, si à la fin, ils pouvaient demander le sport qui m'est porte H5 à côté. Et après, on oublie dans l'intérieur. H5 à côté. Allez ! Pour Stéphane, Emeline. Je pense qu'elle a tous les canaux, elle. Corentin, on va là, on va voir avec le team guide. Pour voir si ça appartient pas à une équipe. Ok. Donc, je m'occupe de guider les photographes, je leur remets tout ce qui est chasuble, casier pour leur matériel. Et ensuite, je leur explique les règles pour que ça se déroule bien. J'aime bien, ouais. Il y a une bonne ambiance aux médias, donc franchement, c'est cool, on s'entend tous bien et c'est une bonne équipe. Tout le monde, il y en aura pour tout le monde. Bonjour. Alors la D4 c'est la juste là, à droite. Ah ouais. En fait, vous avez le rang marqué sur l'escalier. Voilà. Et la place. La place sur l'escalier. Merci beaucoup. Monsieur Laguna, vous avez émargé ? Ouais. Bon, attention monsieur, hein. Vous avez à l'œil. En fait, tu as rabattu. Et heureusement, j'ai eu l'idée de dessiner la veste à 23h30 quand j'allais me coucher. J'ai dit, oh tiens, je ne l'ai pas essayé, je l'essaye. Et j'ai trouvé l'idée. Voilà, j'ai dit, bah, celui qui les a perdus, bonjour pour lui, quoi. Ben, merci et bravo à tous les volontaires pour faire une organisation irréprochable et vraiment faire grandir notre sport au sein de cette belle organisation. Sans eux, rien ne serait possible, on leur doit tout. Donc vraiment, au nom de tout le volleyball français, au nom de la fédération et à mon nom propre, merci à tous les volontaires pour votre engagement et pour votre grand professionnalisme. 16, tout le monde m'a donné sa place. Allez, 16. Bonjour. Et là, on est où? Il n'y aura pas d'autres bouteilles avant demain. Donc il faudra remonter quelques-unes là-haut. D'accord. Et le reste pour les journalistes ici, que vous planquez quelque part. Hein, voilà. Hein, les bouteilles sont prêtes, je suis allé les chercher, il n'y en aura pas d'autres. Responsable du VIP Team qui est là, on est en charge effectivement de l'accueil de toutes les personnalités qui sont invitées, aussi bien pour les tribunes triples résidentielles que les tribunes officielles. Et on est chargé effectivement de vérifier l'accès au lunch, le transfert du salon vers les tribunes, s'assurer que les tribunes sont prêtes en temps et en heure avec les noms sur chacun des sièges. Là.
démarré, c'est terminé pour nous. On lâche. Il faut compter le nombre de serviettes qu'il y a. D'accord. Et sur chaque serviette, il faut enlever les straps que les joueurs ont mis et amener tout ça à la blanchisserie. Ok. Et puis après, il faut nettoyer les vestiaires de toutes les bouteilles d'eau, les bananes et vider le bac à glaçons. Mets-toi, peut-être en bout là-bas. Ouais. Attends. Je vais mettre au bout. Est-ce que ça va tenir? C'est un peu plus joli, hein? On est super bien placé, ouais. Puis même, on a une bonne équipe quand même. On s'amuse non, bien. On s'amuse bien, c'est cool. Ouais. Philippe, c'est Mathieu. Il y a une grosse livraison qui vient d'arriver au niveau du parking. Les sons de chaise, c'est difficile de t'asseoir. Il reste pas très. Attention parce que wow. Il y a de la blague. On essaye de mettre télévision sur la. De mettre les matchs qui sont joués dans les autres pays l'étranger. Sur les télés d'ici. Coupe mes droits. Enfin du coup j'essaye. Ils ont pris les plus intelligents, je volte. Les têtes d'affiche. Oh j'ai eu motion beurre au bac hein. C'est calme. Bac découpage. Bac STMG donc on en est pas loin. Bac ciseaux. J'ai les oreilles qui deviennent rouges, je filme pas. C'est vrai, on regarde quand je stresse et tout ça, regarde. Regarde, ah oui, c'est soignant. C'est trop mignon. Petit zoom sur les oreilles. Hein? Mais c'est quand vous me stressez, ça. Oh, je trouve mignonne tes petites oreilles. Elles deviennent toutes rouges. De l'animation du centre des volontaires et c'est que les gens soient heureux et que tout se passe bien et qu'en fait, il faut pas oublier qu'un volontaire, il est volontaire, donc il n'y a pas de salaire qui tombe à la fin du mois. Notre fonction, notre mission, entre guillemets, c'est qu'il soit payé en sourire, qu'il soit payé en dotation, qu'il soit payé en jeu. Ça, on est là justement, comme Lucie a dit, pour se régaler entre nous, pour passer des super moments, et je pense que c'est la priorité avant tout. Après, c'est sûr que du coup, ça rajoute des petites lignes et tout ça, mais c'est que du plus. Moi, ça me fait un petit plus, je suis dans l'événementiel, donc du coup, ça fait toujours un petit plus. On s'aime tous, qu'on ait 20 ans ou qu'on ait 60 ans, en fait, le respect est le même. Et on le fait aussi pour le volley, parce que c'est un sport qui reste quand même un petit sport à côté des autres, et on essaye vraiment de développer ça, et donc si on peut donner un peu de notre temps pour ça, c'est ce qu'on cherche, à donner un peu cette fièvre du volley à certaines personnes. Il y a ce côté travail de groupe, cohésion et tout ça, puis il y a aussi un autre facteur, c'est que dans mon expérience professionnelle, j'ai organisé 7 championnats de France scolaires. Et pour ces 7 championnats de France, j'ai eu besoin d'énormément de volontaires. Et un peu, maintenant, je me mets à leur place pour donner de mon temps à ceux qui en ont besoin. Du coup, on remet tout le monde au même niveau et en fait, on ne sait pas ce qu'on fait dans la vraie vie. On va le faire parce qu'on s'est engagé jusqu'au bout et on restera jusqu'au bout. Quoi. On donne de notre personne et on la donne au maximum. Et ouais, on est... fier de tout ce qu'on fait tous les jours. Allez, cours, Zoé, cours ! Envolez-vous ! Allez, Cathy ! Allez ! Allez ! C'est parti ! Ciao ! Faites partie d'une prise d'otage. Ok. On est venu braquer la plus grande banque de volontaires de France. À partir de maintenant, plus personne ne peut sortir. Ah, peut-être rentre d'un côté. La sortie, et là, il y a du bleu et là, il y a du rose. Et ouais. Ben, en fait, il faut. Alors, attends. On a besoin de toucher ça. Donc. Elle est bonne, ouais. Le 28 avec le 1, c'est bon. C'est bon. Donc du coup, maintenant, après, on fait quoi qu'on a ça. 7. C'est moi Laurel. C'est moi Hardy. C'est moi le plus grand et toi. Le plus petit. C'est moi Laurel. C'est moi Hardy. Nous sommes ensemble amis pour la vie.
Sauf que c'est-à-dire c'est moi le plus grand alors que c'était l'inverse. Hein. Je suis allez, plus alors grand, là, hein. Alors allez, là. Non. À refaire. Non, allez-y, regardez. Avec et en plus. Oui, voilà. Moi je suis chaud, c'est pour ça. Et en plus. Il a tort parce que c'est pas le plus grand, c'est le plus gros en général. dans l'histoire, c'est le plus gros, c'est pas le plus grand. Pour demain, elle pourra pas être là au deuxième. Premier match avec toi. Jusqu'à présent, toutes les demandes, même les plus incongrues, ont été satisfaites. Aller chercher la tête de la mascotte qui était en réparation dans la rue du Palais à Montpellier, alors qu'il y avait une manifestation de gilets jaunes. Que le chauffeur n'arrivait pas à se garer, que le numéro de téléphone qu'on lui avait donné ne répondait pas, qu'il a trouvé le magasin fermé et qu'il n'y avait pas de sonnette. L'idée, c'est beaucoup de convivialité, beaucoup de sourires, on n'est pas là pour s'enquiquiner, ils viennent voir un spectacle. Donc voilà. Toi, t'es à l'aise dans la conduite. Tu dis ça pour que je passe tout le temps, tu sais. Alors la meuf, si vous avez quelques soucis que ce soit avec qui que ce soit, vous n'emmerdez pas, vous m'appelez et je reste. C'est mon boulot. D'accord ? C'est Léo, j'écoute. Bien, je transmets. À tous, l'équipe de France quitte l'hôtel direction l'Arena. Je répète, l'équipe de France quitte l'hôtel direction l'Arena. Madame. Bonne écoute, Sylvain. Salut. Oui, toi. Les pauvres. J'arrive plus à respirer. Oh my god! Oh! Vous êtes bien évolué. Nickel! On est là! Merci. Merci. On pique! Moi j'ai un peu ce soir, c'est le plus gros match de la semaine. On attend à peu près 7000 personnes. Aujourd'hui, il va falloir qu'on soit bon. C'est vraiment le dernier jour. On a tout le monde qui nous regarde, on a le président de la CEV, on a sûrement le président de la FEDE aussi qui est là, donc il faut qu'on soit très bon. Mais on sera excellent. J'en doute point. comme d'habitude, hein. Comme d'habitude. Il va y avoir une mise en avant des volontaires, entre le deuxième et troisième set. C'est le CDO qui gère ça, qui va tous vous réunir au niveau 1, au début du deuxième set, et afin de préparer et vous donner les consignes. Merci beaucoup, soyez forts, finissez bien, profitez de ce beau match et à très bientôt. Quelque chose à rajouter, allez les bleus. On est d'accord que les portes ouvrent dans moins de 15 minutes. Donc je veux tout le monde en place très rapidement. On fait point avec René pour voir si tout le monde est à sa place. A tous, début du match dans 5 minutes. Je répète, début du match dans 5 minutes. Alors, en fait, le filet, c'est pas un étendoir. L'étendoir sanglant. Ouais. Cette compétition ici, mesdames et messieurs, à l'aide de l'ensemble.
One more time, ladies and gentlemen, your applause for the volunteer of the Euro 2020. En match, quelques apparitions de Vinicius. Ah, tu sais les panneaux qu'on a mis. Ah bah ils sont là. Okay. Fais quoi, j'attends Philippe, je sais pas ce qu'il fout. Il est débordé, on a un chef, il est toujours débordé. Personne ne m'aime dans cette maison, c'est incroyable. Attends, c'est pas à plat, on va essayer de mettre un peu. Caddy à ballon, 4. On les met dans... On va prendre des sacs plastiques transparents. On va mettre dedans. On remplit déjà la palette. Cartonné là. Vous avez combien de temps pour démonter? Même pas 2 heures. Mais on est efficace, donc on va y arriver. À minuit, il part. Non. Minuit et demi. 35 minutes. Non, 1 heure. Minuit, c'est bon, là. On a le temps. On va gérer ça, alors. Ouais. Une heure. Hein. Regarde. 1 heure, même. Merci. Allez, bravo à tout le monde. À nous tous. Santé à tous. Un caméraman. Tu repars avec des paillettes dans les yeux du coup? Avec des étoiles dans les yeux. Pas avec des paillettes, avec des étoiles. Je suis prêt à vous, avec vous à recommencer sur n'importe quoi. Oui, oui, il y a eu beaucoup de contraintes, beaucoup de fatigue, mais du plaisir, il y en a eu aussi. Sinon, je ne serais pas là. Sinon, je ne serais pas là. On est venu d'un peu partout, tous volontaires pour très fort frapper un grand coup. À Montpellier et que tous ensemble on a envie de faire briller. On est motivé et on veut le succès. Et s'il le faut, on est prêt à mouiller le maillot. Envolez-vous, envolez-vous, envolez-vous. On fera tout pour que ce tournoi soit le plus beau. Envolez-vous. Portez les couleurs de Montpellier encore plus haut. Envolez-vous. Envolez-vous, envolez-vous, envolez-vous.